Tour de l'Aude, 33e. Si vous avez quelque chose à faire, si vous avez des grillères contre les repas, c'est une autre dame que vous présentez tout à fait à la fin. C'est elle qui choisit les repas, donc vous pouvez aussi les remercier. Si, ça, si vous l'avez trouvé bon, vous pouvez les remercier. Il y a eu quelques originalités, donc on a voulu faire un essai. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura plu. On a fait ce qu'on a pu. Voilà. Bon, après, tout le monde s'est bien comporté, on est content de vous. On est content quand vous arrivez, on est content quand vous partez aussi. Non, mais ça sort du fond du cœur. Il n'y a pas d'arrière avancé. Il n'y a pas d'arrière avancé du tout. Ne vous, mais vous inquiétez pas, vous ne regretterez pas. Donc. Voilà, bon, après, je crois que apparemment il n'y a pas eu trop de problèmes mécaniques. Georges. Ah ouais, mais parce que c'est des grosses voitures. Bon, vous ne pourrez pas vous fâcher non plus de température, il ne faisait pas froid. Il n'a pas fait froid, les routes n'étaient pas bien placées non plus. Bon, vous avez passé vos commandes, je suppose. On va commencer la remise du prix. Alors, le premier, c'est. Régis qui va vous le dire. Je vous remercie. Alors, le premier, on va commencer par les plus anciennes. Par contre, à plus de Disney, quand j'ai fait la liste, il y avait des voitures esprit. Donc, il n'a pas fallu changer les voitures, mais je les ai vu arriver. Parce que là, toujours, on a même pas changé les voitures. Donc, on va essayer de faire dans l'ordre chronologique des dates. Mais à plus de liste, ça ne correspondra pas. Donc, on va commencer par la plus ancienne. Donc, je vais appeler Pascal et Martina, donc sur une Rolls-Royce aujourd'hui avec une Oscar. Donc on peut l'applaudir, c'est une voiture vraiment ancienne. Qui fait les fonctions avec son téléphone en voiture. On la remercie. Donc 1980-2022, voilà. Merci. Vous avez
On fait ce qu'on peut. Ça devient des habitués, ils nous viennent tout droit du centre de la France, ils veulent se reconnaître. Ils s'étaient inscrits sur une Amica. Je vais dire les conneries parce que je ne me rappelle plus à quoi ils sont venus. Standard. André et Sylvie Sabatier avec une standard. Merci Claudie, heureusement que tu es là. Voilà, avec une standard, André et Sylvie Sabatier. Et voilà, ils ont toujours de très belles photos, c'est des habitués maintenant du Tour de l'Or. On les en remercie. Oui. On peut essayer. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Donc, alors, là aussi, après on s'arrête, on fera une pause. On appelle des habitués, des personnes, c'est le fils et la belle-fille hein, de Jeanne du club qui sont là depuis très longtemps. On a connu ses parents. Donc j'appelle Muriel et Michel Marpinard avec une Amica C4 cabriolet. Michel et Muriel Marpinard, c'est les haïtiens du club. Les parents étaient déjà là. On peut les applaudir. Une institution, une véritable institution. Tiens, les gens. Quand tu réussis le tour de l'ordre, voilà. C'est le mec. Un couple très sympa, vous le voyez souvent sur la vidéo, tout, avec le tricycle car. Voilà. Merci. Michel précise que c'était les 5 de la Vicar, donc puisqu'elle est de 22. Merci. On vous laisse tranquille, on va vous présenter tout à l'heure. Il était habitué à descendre avec les camions avant. Après, il a préféré prendre sa retraite. Donc j'appelle Nico et Brigitte Boutachidis, qui sont avec une Alfa Romeo 2600. Ils étaient inscrits avec une Fora, mais qui est tombée en panne au dernier moment. Donc Brigitte et Nico. Tu veux venir, Nico? Allez, viens ici. Voilà, pendant des années, c'est lui qui transportait les voitures des Belges. Merci, Nico. Merci. Est-ce que vous portez des bouteilles? Merci, Jean, pour la fiche. Non, c'était mon des effets. Non, mais Jacques, si tu veux. Merci. Un habitué aussi, c'est encore un Belge, il a eu quelques soucis cette année avec les crevaisons. Donc j'appelle Chantal et Géry Linov avec une Citroën C4 Torpedo. Chantal et Géry Linov, on peut les applaudir, ils viennent tout droit de Belgique. Ah oui, depuis le début, voilà, il a quelques soucis parce qu'il a changé le transporteur est douteux. Donc on vous le présentera tout à l'heure, il boit beaucoup et donc on a quelques soucis. Géline ne dort plus tranquille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Georges qui transporte la voiture. Et comme il boit, Georges... Il y a un peu là aussi, tout revenu en Belgique, c'est des nouveaux. La voiture n'est pas inconnue, c'était la voiture pour les haïtiens de Jean-Claude Buzine. J'appelle monsieur et madame Carrie et Clément avec une Rolls-Royce Torpedo, haïtienne de Jean-Claude. Donc, monsieur et madame Clément, on peut les applaudir, c'est la première participation. T'as essayé. Donc là maintenant on va commencer avec toute une série de Bugattistes.
dont je vais appeler, c'est la première participation aussi, monsieur et madame Delacour Jacques, avec une Bugatti 51. Monsieur et madame Delacour, pour leur première participation, tout droit venu de Suisse. Alors, pour les Bugattistes, c'est les locaux de l'étape, donc c'est monsieur et madame Duré-François qui nous viennent de la région narbonnaise, donc ils ne sont pas très loués. On les a remerciés, c'est pas leur première participation. Merci à vous, on peut les applaudir. Merci à vous. J'espère que vous êtes tous. Alors, un autre Bugattiste que tout le monde connaît dans le milieu, il organise le circuit des remparts à Angoulême. C'est le président du circuit des remparts d'Angoulême. Donc, je vais appeler Jean-Marc et Yannick Lafont sur une Bugatti 35. Jean-Marc et Yannick. On peut les applaudir. Moi, je crois qu'il faudrait remercier beaucoup Régis, son épouse, et Jean et toute l'équipe du 5A, parce que c'est formidable tout ce qu'ils organisent chaque année. Et puis ils ont toujours le sourire. Il y a une personne qui m'a demandé hier, il m'a dit, c'est qui Régis? Je dis, c'est pas compliqué, il a tout le temps le sourire. Je te remercie. Merci à vous. Et si vous avez l'occasion d'aller au circuit des remparts, vous verrez, c'est une très très belle épreuve. C'est magnifique. Merci à eux. J'appelle monsieur et madame Milou, Claude, eux aussi. Ce sont des gens qui viennent très souvent autour de l'ordre, des habitués, avec une Fora Torpedo. Monsieur et madame Claude Milou. La dame qui fait du vapeur l'autre des fois dans le bus de la réserve africaine. Elle fait du vapeur l'autre, c'est rare. Maintenant, je vais appeler une tribu qui sont avec deux foras, qui viennent tout droit du Luxembourg. Donc je vais appeler Alain Friseur, avec qui ça a commencé, Pierrette et Tim. Et ensuite, la deuxième fort, c'est Laurent Emmer. Je me perds. Laurent Emmer, Pete et Carole. Pete, Carole et Laurent. Là aussi, Alain est un habitué. Il vient tout droit du Luxembourg. Merci à vous, amis. On continue avec une Bugatti. Il est parti et je vais pas essayer de partir avant le repas. C'est Jean-Marc qui va venir prendre le lot pour Alain Blanche qui était avec une Bugatti 51. Voilà, c'est Jean-Marc qui prend le lot. Alain Blanche aussi vient assez régulièrement autour de l'ordre. Des habitués qui va
malheureusement aussi sont tombés en panne cette année, qui nous viennent tout droit de Suisse. J'appelle Guy et Chantal Clavel, qui étaient inscrits avec un BNC, mais qui malheureusement a eu quelques soucis mécaniques. On peut les applaudir, ils sont en chaque année. Les cycles caristes, on les voit souvent dans la vie de de vrais passionnés. Merci. Alors, là maintenant je vais appeler quelqu'un que tout le monde connaît dans le milieu. C'est un super mécano d'après ce que j'ai entendu dire par ses amis. Ça reste peut-être à confirmer. On va appeler Francis et Marion Courtex. Et on va lui faire une ovation, parce que sachez qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Francis et Marion. Merci Francis. Je tiens à vous remercier à tous et puis je tiens à m'excuser si quelquefois on est un peu, on passe un peu rapidement à côté de vous. Vous savez, une Bugatti, ça a 8 cylindres, c'est un tout petit radiateur. Alors, quelquefois, on n'a pas trop envie de casser un moteur ou de casser un embrayage parce que c'est des multidisques de compétition. Et donc, ça peut être désagréable pour vous. Mais on a aussi des voitures d'avant-guerre, d'avant 14 et de trucs. On comprend très bien notre réaction, mais essayez de comprendre la vôtre. Voilà, merci. Il faut que tout le monde ne se comprenne pas. Je vous remercie à tous. Merci à vous, en tout cas. Merci. Alors maintenant, monsieur et madame Guéry de Michel, sur une Ferrari Torpedo, monsieur et madame Guéry, eux aussi qui viennent depuis quelques années, qui viennent. Là, c'est des nouveaux, donc c'est leur première participation. C'est M. Maurice Delfosse et Claudie qui sont sur une Fora Swister. Donc j'appelle Maurice et Claudie, s'il vous plaît. C'est leur première participation. Je vous reprends, Maurice. Moi aussi, je tiens à vous remercier. C'est la première participation, ça ne sera pas la dernière, j'espère. Et parce que c'est vrai que Régis, tu as toujours le sourire. Jean, il a toujours le sourire et l'humour et le mot qui va bien. Et merci à vous. Merci. Merci. Non, pas que le mot qui va bien, on m'a dit, c'est sûr. Merci à eux. Alors, un habitué aussi, qui nous vient tout droit de Belgique avec une Fora, c'est monsieur et madame Garelmar, qui sont des habitués, qui nous viennent tout droit de la région de Mons. Monsieur le commissaire, hein, sachez qu'il est à mon frère, vous pouvez présenter avec lui, avant qu'il ne s'en présente pas. Merci Régis. Alors, ce que je vous propose, Régis, Véronique, ouais, c'est formidable. Je vous propose un hommage collectif. Alors, Emilio me paraît avoir pour l'instant une extinction de voix, donc je me propose de le remplacer pour cette participation. Donc, on démarre avec le niveau. Niveau. Contact. Contact. Moteur. Moteur. Et santé. Merci à tous. Merci, Marc. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Thank you.
Bon appétit, hein. Bon appétit. Merci beaucoup. Je vais appeler Gilles et Camille. Bon, Camille a dû partir puisqu'elle a été d'astreinte au pompier. Voilà, Gilles qui est au monde, qui est notre le fils de Gisèle et Jean qui est au monde. C'est la relève qui est assurée avec les jeunes dans le monde des avant-guerres. Et ça, c'est très important parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les participants vieillissent et ces avant-guerres, un jour, on aura beaucoup, beaucoup de mal à les voir sur les routes. Merci Gilles, et ça fait plaisir qu'il y ait des jeunes. Sur ces bonnes paroles, bon appétit, on vous prend une très belle fora. Jean-Pierre. On peut les applaudir, c'est leur deuxième participation. Merci. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Alors là, c'est sa première participation, c'est quelqu'un du coin qui est dans le monde de la voiture à l'ICN. J'appelle monsieur et madame Brouwer, Flas, qui est en face. Voilà. C'est des gens qui sont de Montréal. Voilà. C'est leur première participation, j'espère qu'ils sont regardés. C'est les membres du club des 5 ans. Donc merci à vous. Merci. Voilà. Merci. 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 À bientôt, monsieur. Merci. Alors, un habitué aussi qui nous vient tout droit de Suisse. Hein. Cette année, il a fait la une de l'affiche. Donc, c'est monsieur et madame Pierre-Olivier Chave sur une Invicta coupée transformable. Pierre-Olivier et Aïda Chave. Voilà, on peut les appeler très fort. Ils viennent de Suisse par la route. C'est une très belle voiture. Merci Pierre-Olivier. Merci à vous. Encore une belge, donc, c'est Georges Eliane Lanoux avec monsieur et madame Bonnier sur une Packard Limousine. Georges Eliane, monsieur et madame Bonnier, si vous voulez venir. On peut les applaudir avec une magnifique Packard en conduite intérieure. Vous l'entendez avant qu'il arrive. Merci Jean. Eliane, viens. Si vous ne le voyez pas, vous l'entendez en principe. Voilà. Merci. Monsieur et madame, vous venez avec nous. Oui, oui. Petit appareil, ils viennent tout droit des États-Unis, monsieur et madame Calvin, leurs petits appareils. Ils applaudissent avec une magnifique qualité, des habitués du rallye. Merci, monsieur. Oui. Merci à vous. Merci à eux. Les habitués, décidément, il y en a beaucoup d'habitués. Donc, c'est monsieur et madame Chouro Bernard avec une Samsung S4 pour ça. Déjà très discret, une très belle voiture, jamais en panne.
monsieur et madame Choureau. On peut les applaudir bien fort. Merci à vous. Merci. On peut les applaudir bien fort. Jacques Taillon, parce que c'est une expérience. Vous voyez ce qu'il faut faire, hein. Il faut alors un petit Suisse de plus, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, c'est M. Sipel Denis, qui est venu avec une Cabourg, 1936, voilà, c'est M. et Mme Sipel, Claire et Denis. Alors, tous deux, trois, tous deux membres du club Oshkis Grand Sud et Oshkis France. Voilà, merci d'être venu et à la prochaine. Tu l'as pas dit, moi je te le dis. Après, monsieur Sipel, c'est celui-là. Là, c'est un cas. Là, c'est un cas. C'est Spinozo Dominico. Et Giorgio. Celui de l'âge de 6,70 de course. Alors, là, attention. Tout le monde va entendre par les oreilles. Là. Ah, il a changé le copilote, c'est papy. Ça, on l'avait compris. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique. Parce que eux ils parlent, mais en fin de compte vous parlez. Donc quand ils parlent eux, vous parlez, on n'entend pas ce qu'ils disent. Est-ce que vous m'entendez? Non. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Oui. Vous avez vu la différence, hein? Si vous voulez, on va recommencer. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Oui. Allez, marche mieux. Je vais vous dire deux choses simplement. Je sais ce que je dis toujours. Je vais vous faire travailler. C'est-à-dire que vous devez savoir que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de rallye. Donc rien que pour ça, on va vous applaudir et vous vous applaudissez vous-même. Et la deuxième chose, ça ne va pas durer longtemps, je suis organisateur de rallye aussi avec mes amis en Belgique. Vous devez savoir que quand on fait un rallye, il faut trouver le point de départ, la halte du matin, la manger du midi, la halte de l'après-midi, où est-ce qu'on dort. Nous, on fait un rallye de deux jours, ça me prend beaucoup de temps. Et eux, ils sont à 4 plus beaucoup de bénévoles, et ils doivent faire 4 jours de dormir, et je ne sais plus combien de restaurants et combien de haltes qu'ils doivent faire. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça donne d'organiser les rallyes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui organisent des rallyes? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Hein. Il y en a quelques-uns, voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, voilà. Donc, vous savez ce que c'est. Et on va juste ça pour Véronique et Gisèle, Régis et Jean et tous les bénévoles, on va les applaudir, mais rien qu'une fois. Allez-y! On va faire la petite standing ovation. Allez-y, 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 à capitaine. Allez-y, allez-y, à fond. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, debout là, debout. Les Belges sont debout là, les Belges sont debout là, s'il vous plaît, merci. Ils sont debout, ils sont tous debout, les Belges. Voilà, on applaudit maintenant, bien fort. Merci Régis, merci, merci, merci. Je vous avais averti. Normalement, c'est pas normalement avertir vos deux. Bon, le prochain que je vais appeler, rassurez-vous, est plus calme. J'appelle monsieur Claude Floré.
avec Catherine sur une Hotchkiss 411 Côte d'Azur. Il y en a des tchundangs, Hotchkiss Côte d'Azur. Voilà, monsieur Claude Florier, le Savoyard. C'est que la qualité des parcours, c'est-à-dire que les routes sont somptueuses, en plus de l'organisation. Merci d'avoir tenu ces parcours qui nous fait voyager sur les premiers escargots. Mais voilà, oui, merci de votre reconnaissance. Au sujet des routes, l'Aude comporte beaucoup de routes. Ouais, ouais, c'est bon, mais après, bien sûr, il faut faire des parcours. On s'excuse de temps en temps si ça monte un peu, et avec la température qu'il y a, ça, il y a certains qui ont fait. Mais rassurez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les voitures qui ont fait du vapeur. Alors, monsieur Lamour, un habitué aussi. On l'a vu avec des 5 chevaux, on l'a vu avec des Peugeot, on l'a vu avec... C'est lui qui vous l'a dit. Si tu n'es pas content, c'est lui. Merci d'être venu et on vous dit aussi à la prochaine, si Dieu le veut. Alors maintenant, c'est le Chalot Doretti 1937. De... Ah, 1949. Il avait promis. De monsieur Préban Philippe et Dominique. S'il vous plaît. Voilà. Il se réclame, hein. Il était en extase de vin, mais il ne donne pas le vin. Appelle pas le nord, c'est bien. Voilà, voilà. Ah, un qui a eu un petit accident à un endroit où j'étais, et qui est venu avec une voiture moderne, parce qu'il a mis le doigt où il ne fallait pas, et donc il aurait dû venir avec une Renault Prima 4 coupée. C'est monsieur Escriva, Vincent et madame. Ils sont venus avec une voiture moderne. Voilà, mais ils ont fait quand même l'effort de venir. Très bien. La prochaine fois, tu tiens debout, comme ça le doigt il restera entier. Monsieur Gomez, Didier et madame. Brigitte. On les applaudit très fort. C'est pas la première fois qu'ils viennent aussi. Ils étaient venus avec nous aussi, on reviendra, mais j'aime entendre ça. On devait venir avec une Georgia, mais elle n'a pas voulu venir. Donc on a pris celle qui fait beaucoup de bruit. Au moins, on nous entend. Merci. 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 Toi, tu n'es pas le seul à faire du bruit. Voilà, monsieur et madame Gomez. Alors, maintenant, une MG TC. De quelle année, je ne sais pas. Monsieur Barbier. Monsieur et madame Barbier sur une MG TC. Hop. Ah oui. Là. 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 Là, c'est la France. Voilà la France. C'est une belle force, j'ai pas mal. Allez, merci d'être venu. Voilà, voilà. Alors maintenant, un monsieur qui a fait la vidange sur le parking de l'Ibis. Monsieur Arnonet Paul avec Anne.
avec Anne-Marie, Michel et Denise. Sur une Talbot T23 très belle, un cabriolet de 1938, monsieur Arnonet Paul, qui a cassé quelque chose. La village a été involontaire, quand même, je précise. Voilà les deux frères Arnonet. Voilà, voilà. Alors maintenant, tu veux continuer? Tu sais que je suis enfin. Bon, monsieur De Weer, Joanne, qui vient de Belgique, avec une traction cabriolet 1938. Monsieur De Weer, Joanne et madame. Je vous félicite d'être venu. Je peux passer? Sinon, je vais sur la photo. À la prochaine. Oui, ce sont des habitués. Ça fait combien de vous donner? 5 ans. 5, 6 ans, voilà. 5 ou 6e rallye de la vie. Très bien. Félicitations, revenez. Ah, une Hotchkiss 686 cabriolet 1938 qui fait du vapeur local aussi. Monsieur Thibault Jacquie qui nous vient de. Je sais que tu es quoi déjà ? Le Vallon. Salon de Provence, bravo. Voilà, qui nous arrive de Salon de Provence avec sa très belle Hotchkiss par la route. Il fait partie du club Hotchkiss Grand Sud aussi. Alors, Jackie, ça va, mais Daniel est embarrassé. Je suis complète, tu m'as même pas cité. Jackie, Thibaut et Daniel, toi, je vous le dis, elle a une gueule, ça va. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, merci Daniel. Une autre Citroën cabriolet traction 1938, monsieur Dini Georges et madame, monsieur, c'est surtout monsieur qui est spécialiste de la manœuvre des remorques en marche arrière. Et ça l'amuse, on dirait que c'est la remorque qui tire la voiture. Quand il fait une manœuvre, on dirait que c'est la remorque qui tire la voiture, c'est vrai. Si vous avez des problèmes de remorque en manœuvre, pas. Faites appel, voilà. Ah. Merci beaucoup. Et peut-être à la prochaine. Alors, je suis monsieur Weber, Jean-Marie, avec BMW 327 cabriolet. Madame. Eddie, ah oui, c'est Eddie. Eddie, viens récupérer le cadeau. On les applaudit. Eux aussi, ce sont des habitués de notre date. Il y en avait qu'un, des fois c'est trois, l'autre fois c'est deux. Elle a une très belle voix, elle va vous dire quelques mots. Chanter ? Moi je ne sais pas chanter. Je remercie tout le monde. Tellement je trouvais que c'était très agréable. Je dirais tout le monde y a mis de la bonne volonté, son sourire, donc c'était très agréable. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Eh bien, très bien, merci. Merci de garder le sourire avec la canicule, parce que c'est vrai que des fois aussi la canicule, ça tape un petit peu.